heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce vendredi à Harare, au Zimbabwe, où il va prendre part au 44e sommet de la SADC, prévu demain samedi. Et bien avant l'ouverture de ce sommet, Félix Tshisekedi a pris part ce vendredi au sommet de la Troïka de l'organe politique de la SADC pour présenter la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Autre point de mire de l'actualité, les violents ne semblent pas s'accorder entre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et les magistrats congolais. Le patron de la justice est accusé de mener une campagne de discrédit contre le corps des magistrats, mais également de tenir des propos populistes, ainsi que de la création des tribunaux populaires où le ministère public est confondu au juge. Je vous propose les détails dans cet élément d'Elvis Metti. Les violents ne semblent plus s'accorder entre les syndicats autonomes des magistrats du Congo Sinamok et le ministère de la Justice. Le contexte de cette confrontation découle des réformes judiciaires entreprises par le gouvernement congolais avec le soutien du président Félix Tshisekedi. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a récemment intensifié ses critiques envers les corps judiciaires, dénonçant ce qu'il appelle des réseaux mafieux au sein du système et s'engageant à réformer profondément les secteurs. Cette position a été réaffirmée dans une série de tweets où il a notamment déclaré « Le chef de l'État nous a nommés pour redresser notre justice et redorer son blason terni. Rien n'arrêtera cet engagement ferme du magistrat suprême. Les réformes courageuses en cours vont se poursuivre à la satisfaction générale de notre peuple. Des réseaux mafieux démasqués craquent déjà. Seule la justice élève une nation. Le Sinamak fustige cette position, mais notamment ses discours. Également la mise en place des commissions chargées de censurer les actes des magistrats sans consulter leur hiérarchie. Le ministre ne peut pas se substituer aux cours et tribunaux en créant des commissions pour juger les actes de magistrats. Ces pratiques sont contraires à l'état de droit, a souligné le syndicat. Il faut rappeler que cette confrontation entre le ministre de la Justice et le magistrat illustre une fois de plus les tensions croissantes autour des réformes du système judiciaire en RDC, alors que le gouvernement tente de redorer l'image de la justice dans un pays souvent critiqué pour la corruption et l'impunité. Restons dans le secteur de la justice pour parler de la gestion des fonds d'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani. Le Trivao dénonce l'excès de pouvoir dans le chef du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Je vous propose les détails dans cet élément de votre rédaction. L'implication du ministre de la Justice dans l'affaire d'indemnité du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda, Frivao en sigle, est considérée comme une immixtion. Pour Frivao, le processus d'indemnisation des victimes certifiées se déroulait paisiblement au guichet de la Robank de Kisangani. Curieusement, le dit processus a été malencontreusement stoppé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a remis en cause cette procédure. Le Frivao précise que contrairement à la communication faite par le ministre de la Justice au sujet de la somme allouée aux victimes, il a souligné que conformément à la réunion du conseil d'administration de cette entreprise tenue en mai 2024, la ministre de la Justice sortante, Rose Mutombo, avait autorisé l'indemnisation symbolique des victimes certifiées comme suit. 1 040 $ pour chaque perte en vie humaine, 880 $ pour chaque blessé grave ou mutilé, 700 $ pour chaque maison endommagée, 400 $ pour chaque blessé léger et 300 $ pour chaque perte de biens. Pour Frivao, l'actuel ministre de la Justice ne devrait pas interférer dans la gestion de l'établissement public. Cette entreprise chargée d'indemniser les victimes du génocide estime qu'il y a lieu d'évoquer l'illégalité et l'irrégularité de l'arrêté du ministre de la Justice du 12 août 2024. Le dit arrêté avait suspendu sans ouvrir une action disciplinaire ni délimiter dans les temps la dite suspension. Le Frivao a donc précisé que sa mission est de répartir les indemnisations individuelles et collectives aux victimes et aux entités publiques et privées.
D'un chapitre à un autre, la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa aménage des fourrières pour des véhicules en panne et des épaves, des véhicules abandonnés sur la voie publique. Le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, a de nouveau accordé un délai supplémentaire aux propriétaires de ces engins de les retirer sur la chaussée. Reportage Fifi Kalumbwe et Samuel Ilunga. Selon le communiqué rendu public par le commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa, la mise en fourrière des véhicules en panne et des épaves abandonnées sur différentes artères de la capitale se fera à l'aide d'une fiche descriptive plus détaillée. Cette fiche comportera l'état du véhicule établi par les forces de l'ordre. Ce communiqué précise également que les véhicules récupérés par la police ne fera plus l'objet d'une expertise automobile quelques jours après sa mise en fourrière. Il est voué à la destruction si le propriétaire ne les récupère pas selon les délais impartis. Les mêmes dispositions vont s'appliquer incessamment aux véhicules qui vont entrer en fourrière. Ainsi donc, la police a décidé d'aménager les fourrières dans le but de garder ces véhicules et épaves dont la présence sur la chaussée occasionne souvent des embouteillages. Cette mesure de la mise en fourrière des véhicules en panne et épaves abandonnées a été prise à l'issue d'une itinérance effectuée le jeudi dernier par les commissaires divisionnaires adjoints, le général Blaise Kilimbalimba. Il s'est de noter qu'un ultimatum de 7 jours suivi d'un délai supplémentaire avait été donné aux propriétaires des véhicules et les épaves abandonnées sur la chaussée afin de les retirer sur la voie publique. Dans l'actualité, on parle également des tueries dans le village des Kilwa. Nous sommes là dans les territoires du Pweto, dans la province du Haut-Katanga. Le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, hausse les tons pour dénoncer cette insécurité. Il invite à cet effet le gouvernement à rétablir la paix et une justice équitable et accessible à tous. Elvis Metti donne les détails dans ce récit. Dans un tweet ce vendredi, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, exprime sa vive indignation après le massacre de fidèles survenu jeudi à Kilwa, citant les récents carnages des Kilobelobé et Goma. L'opposant déplore que la vie a perdu toute valeur en RDC face à ces actes criminels couverts par une impunité incompréhensible. En prenant pour titre des propos choquants de Katumbi, le tweet rapporte ensuite les principaux éléments de sa dénonciation. Le patron du tout-puissant Mazembe y décrit un pays qui se transforme chaque jour à un peu plus à un état sauvage, où ni loi, ni règles, ni justice ne prévalent. L'ancien gouverneur d'Ikatanga présente ses condoléances attristées tout en pointant du doigt la récurrence de telles atrocités visant des victimes désarmées et innocentes. Il met en garde contre une colère qui ne fera que grandir si la justice n'est pas rendue face à de tels actes. Par ses cris du cœur révoltés, Katumbi fustige la puissance des autorités à enrayer les climats d'insécurité grandissant dans le pays. On va rester dans ce chapitre de tueries et de Kilwa dans la province du Haut-Katanga. Sachez que les FRDC ont identifié quelques miliciens comme étant éléments des Bakata-Katanga. Dans un communiqué rendu public par la 22e région militaire, les FRDC affirment que ces miliciens avaient attaqué le poste de commandement militaire à Pweto. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Rendons-nous dans la province de l'Ituri après la violation de l'espace aérien congolais par un avion ougandais. Les forces armées de la RDC affectées dans cette partie du territoire national ont rassuré la population sur leur implication pour démanteler toutes les positions des rebelles. Détail dans cet élément de votre rédaction. Selon les porte-parole des forces armées congolaises dans la province de l'Ituri, la situation est sous contrôle à travers les différentes unités affectées dans cette zone avec des effectifs renforcés. Selon le lieutenant-colonel Jules Ngongo, les FRDC ne ménageront aucun effort pour rassurer la paix aux populations de l'Ituri. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kachamadjoni, nous sommes déterminés, résolument décidés pour poursuivre tous ces criminels, de le mettre hors d'état de nuire et de mener les offensives de manière brutale. Nous allons les détruire dans leur aventure avec le M23. Ça ne passera pas ici en Ituri.
La présence spontanée de quelques rebelles du M23 dans cette partie de la RDC n'inquiète en aucun cas les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont promis de mouiller leur maillot pour neutraliser les rebelles dans la province de l'Ituri. Les FRDC ont lancé un appel au calme à toute la population tout en insistant sur une collaboration étroite pour dénoncer tous les cas d'insécurité ou d'infiltration. En santé, la République démocratique du Congo fait face à l'épidémie de monkeypox ou encore la variole du singe. 17 pays africains sont également confrontés par cette pathologie. Pour la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, a lancé une alerte pour prévenir les Congolais sur les signes de cette maladie. Suivez les détails dans cet élément. Chères Congolaises et chers Congolais, notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Tchopa, la Mongala, la Tchopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Et pour lutter contre l'épidémie de monkeypox, le gouvernement congolais a mis sur pied quelques dispositions pour réduire les risques de propagation de cette maladie détectée dans plusieurs provinces de la RDC. Encore une fois, suivez les docteurs Samuel Roger Kamba dans ses propos recueillis par Alain Goma. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de trois axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Nous savons que la clé pour vaincre cette épidémie réside dans l'implication de toutes et de tous. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, continue de déployer et de mettre en œuvre divers dispositifs de surveillance épidémiologique, de communication sur les risques et de mobilisation communautaire dans toutes les provinces. Ces initiatives permettent aux communautés non encore touchées de se préparer efficacement et de promouvoir les mesures préventives dans les zones qui ne sont pas affectées. Le deuxième axe de notre riposte est autour de la prévention sanitaire. Et en ce qui concerne cette prévention sanitaire, nous avons élaboré et validé un plan national stratégique de vaccination contre le monkeypox en République démocratique du Congo. Pour surmonter cette crise, nous avons besoin de la solidarité de chacun et de la mobilisation de nous toutes et de nous tous. Ouvrons à présent les chapitres des sports. Interclub de la CAF, le premier club congolais s'apprête à faire son entrée en compétition. C'est bien Maniema Union qui affronte demain samedi 17 août le club zimbabwéen de Ngezi dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. La suite en image avec Lionel Ngolo. En prélude de sa première participation en Ligue des champions de la CAF, l'AS Maniema Union de Kindu a posé ses valises à Johannesburg en Afrique du Sud depuis le lundi 12 août 2024 dernier.
En transit, les unionistes vont rallier Lusaka, capitale zambienne, où ils affronteront l'équipe d'Engezi Platinum. Ça sera le samedi 17 août prochain au National Hero Stadium pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Sous la houlette du coach Papi Kimoto, les Kalembelembe Boys démontrent leur détermination et leur désir de briller ainsi qu'aller aussi le plus possible sur la scène continentale et qui ont bouclé leur préparation le samedi 10 août dernier. Ont donc tous les regards des Congolais pour relever ces nouveaux défis et représenter dignement le football congolais dans cette compétition africaine. La manche retour quant à elle est prévue le week-end de la semaine prochaine au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Pour sa part, l'autre représentant de la République démocratique du Congo en Ligue des Champions, le tout puissant Mazembe, champion de la Ligue 1 de Lubumbashi, entreront en lice au prochain tour. Le tour préliminaire de la Confédération va également démarrer ce week-end du 17 au 18 août. Les deux clubs congolais, à savoir l'SV Club et les Saint-Eloi Lopopo, ont été exemptés du premier tour. On reste dans le chapitre des sports. Cette fois-ci, nous allons parler d'une note noire. Les obsèques de Issa Yatou, ancien président de la Confédération africaine de football, se sont bien déroulées ce vendredi au Cameroun. C'était en présence de plusieurs personnalités du football mondial. Les détails avec Lionel N'Golo encore une fois. Les obsèques de Issa Yatou, ancien président de la Confédération africaine de football, se sont tenues à Gaoua le 16 août 2024 en présence de nombreuses personnalités du football mondial. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la CAF, Patrice Motsepe, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, le président de la Fédération africaine internationale, des présidents des clubs et les hommes politiques et des acteurs économiques de premier plan ont répondu présents et pour les derniers hommages à Issa Yatou, le prince du football africain. Drapé du drapeau vert, rouge et jaune de son pays, le Cameroun, le cercueil de la star du jour, a tous les honneurs dignes de son rang à l'esplanade de l'aéroport de Gaoua, où a eu lieu la cérémonie des hommages. Le ministre Narcisse Mouel Kombi, représentant personnel du président Paul Biya en déplacement du côté de la France, a présidé cette cérémonie. Nombreux qui hier encore ne giraient que pour lui. Les développements du football africain sont présents. Les natifs de la Goa, ville de la religion du nord du Cameroun, laissent un grand héritage dans le football mondial. Rappelons que c'est sous son pouvoir que l'Afrique a obtenu 2, 3, puis 5 places aux phases finales de la Coupe du monde de football, mais également passé de 8 à 12, puis 16 équipes dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci pour votre aimable attention. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision et excellente soirée chez vous.